Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Klax. Je suis comme un navire, comme un aviateur. À Hérouville, dans la neige, presque, voilà, dans la neige, et dans la neige. Et ça, c'est un disque que je voulais ne pas le sortir. Je voulais monter la nuit dans le studio pour défaire toutes les bandes et les arracher. Et puis Laurent Thibault et Francis Mose, quand finit l'album, m'ont dit « Mais tu te rends pas compte de ce que tu penses ?» Il me dit « Tu t'aimes pas, le disque est fini. » Et à un moment donné, c'est un de tes plus beaux albums, No Man's Land. Enfin, jusqu'à présent, j'en avais pas fait énormément. Et il dit, tu vas voir, un jour, tu vas l'adorer, quoi. Et t'es très con, on s'était fâchés. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit, bah oui, c'est bien. C'est sûrement bien, mais je m'aimais pas. Dès que c'était fini, que je pouvais plus rien changer, j'aimais plus. Dès que ça devait sortir, je me détachais. C'était pour moi comme un rejet, tu vois. C'était fini, j'avais passé un an à chercher, à vivre avec ça. Et puis tout d'un coup, j'en avais marre. Parti de rien comme un vrai zonard. T'as toutes les chances d'arriver nulle part. Reçu avec la mention zéro. Je sais pas si ça marchait. Si, il y avait un public qui était comme moi, dans le même état, jeune, et quoique j'étais peut-être plus vieux que les autres. En fait, j'avais l'air jeune, mais j'avais déjà 30 ans, 32 ans, 34 ans. J'étais connu assez tard. Je sais pas, il y a Philippe Manœuvre qui avait marqué dans Rock'n'Folk, Higelin, rocker ou imposteur. Après quoi? Après Alerter les bébés. Il m'aimait pas beaucoup, lui. Il disait, ah non, le deuxième album. Le premier, il a BBH, il aimait bien. Le deuxième, il aimait plus. C'était comme ils font tous. Quand ils adorent comme ça, au départ, tout de suite après, ils disent « C'est pas la même chose qu'au début, voilà. » Je m'en fous.